the road I headed, twists and turns, and the sun beats down and it burns. But I keep on pushing through. And every step quicker than the last, my feet tread down this beaten path, and I keep on pushing through. 'Cause I get up and I may fall right back down, but your love lifts me back to solid ground. Yeah, I get up. Ok, me revoilà. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Bonjour à nos amis sur YouTube qui regardent cette rediffusion. Tous les vendredis, j'essaye en tout cas, quand je suis chez moi, d'organiser un petit briefing, débriefing plutôt, des ventes de la semaine. En espérant évidemment que vous avez passé aussi du coup un agréable moment de votre côté, que ces 7 jours ont été profitables. N'hésitez pas à me dire hein, d'ailleurs dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux combien vous avez gagné aussi par semaine, comme ça on compare un petit peu nos kikis, tout ça. C'est toujours bien. Bonjour Mademoiselle Féroce. Du coup, cette semaine, j'étais absent durant pas mal de jours, depuis le jeudi 4 jusqu'au mardi 9, donc je ne pense pas avoir une grosse boîte aux lettres à vous montrer, enfin en tout cas un gros montant dans les statistiques, mais néanmoins on a quand même réussi aujourd'hui à avoir une boîte aux lettres quand même à 119 000 pièces d'or, donc on va rester positif. Ça sera au moins 100 et quelques mille pièces d'or, ça c'est sûr et certain. Le petit fichier, il me faut mon petit fichier recette de la semaine, comme ça je peux noter ici sur l'écran numéro 2, vous n'allez pas le voir, mais vous allez le voir à la fin. Donc les recettes de la semaine qui vont s'ajouter au fur et à mesure. La semaine dernière, je n'ai pas fait de vidéo hein, donc sur YouTube. J'ai eu 347 000 pièces d'or. J'ai tout mis sur les réseaux sociaux, hein, sur Facebook et sur Twitter. Normalement, vous avez eu l'info. Mais cette semaine, du coup, ça sera sous forme de vidéo. Donc j'essaierai de compléter ce tableau. Et de vous dire grosso modo combien ça a pesé par marché. Comme d'habitude, hein, comme depuis maintenant plus d'un mois. Ça fait plus d'un mois qu'on fait hein, ce genre de choses. Donc c'est bien. C'est bien. Ce qui n'est pas bien par contre, c'est d'avoir zéro dans sa boîte aux lettres. Ce personnage sur Lune n'a pas vendu. Très bien. Très très bien. Juste voir un truc vite fait. J'ai pas enregistré le nombre de gold que j'ai fait la semaine passée. Non, j'ai pas enregistré. Ok. J'avais fait le calcul, mais je n'ai pas enregistré malheureusement. Je suis en train de me rendre compte. Moi, non. Ok. Très bien.
Bon bah tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis, c'est pas grave. On fera notre mur. Pour le compléter du coup, cette semaine. Ok, donc du coup 0 sur l'une, ça arrive, ce sont des choses qui arrivent. Zéro sur l'une, ce n'est pas bien grave, de toute façon j'ai pas grand chose à vendre non plus comme mascotte sur l'une. J'ai pas beaucoup de doublons en fait, j'en ai une vingtaine mais pas plus. Il faudrait que je m'attaque au marché des mascottes du PNJ. Ça, c'est l'objectif que je me fixe pour la semaine prochaine. C'est d'acheter au PNJ des mascottes. Et puis les mettre sur plusieurs serveurs. C'est un marché que je ne suis pas présent et j'aimerais bien être présent sur ces trucs-là. Est-ce qu'on commence par les plus grosses boîtes aux lettres ou bien pour les petites? On va commencer par les petites. Mon compte secondaire. Mon compte secondaire. Hop. Donc petit mot quand même pour l'organisation, hein, évidemment, parce que il y a peut-être des gens qui me découvrent, que ce soit sur Twitch ou bien sur YouTube. Donc je possède deux comptes. Comme j'expliquais tout à l'heure à notre ami Vifitz en live, j'ai fait tout un cours particulier sur l'organisation, etc. Ce que vous voyez à l'écran, c'est le paint que j'ai réalisé avant. En gros, le compte numéro 2 est destiné tout simplement à l'espace de stockage pour tout ce que je farm et tout ce que je ramasse en allant en instance, en faisant tout n'importe quoi en fait hein, dans le jeu. Donc je fractionne ça par extension, il y a déjà 7 extensions, je crois, comme ça. Donc du coup, ça me fait déjà pas mal de persos. Et en plus, je vends de la transmo, je vends des mascottes, je vends des plans et je vends d'autres choses à côté. Donc du coup, des vendeurs encore séparés. Ce qui a pour conséquence évidemment d'avoir énormément de boîtes aux lettres ici, à récupérer tous les jours, à remettre tous les jours. Mais ça me permet à moi de fractionner le marché en lui-même. Donc là on va voir cette partie-là. La partie transmo, la partie mascotte, la partie de chaque extension, combien je me suis fait, est-ce qu'il y a en plus, est-ce qu'il y a en moins. Ou pas. Est-ce que c'est positif ou négatif en gros? Pour ça, je vais juste connecter mon vendeur de transmo. J'ai pas besoin de toutes les connecter parce qu'avant je les connectais tous, etc. Là, j'ai déjà fait cette étape au préalable. Donc normalement, l'addon a déjà pris en considération toute la mise à jour de ce que j'ai ramassé. Et du coup, nous allons explorer perso par perso. Enfin, marché par marché plutôt. Combien est-ce que ça pèse durant les 7 derniers jours? Le profit total. Du coup, la donne nous dit 109 500 pièces d'or sur le compte global. Sur ce compte-là. J'ai vendu pour 121 000, mais j'ai acheté pour 11 800 pièces d'or de composants. Et maintenant, du coup, on va... décortiquer les marchés. Les 660, c'est le premier personnage à être analysé. Donc mon vendeur de niveau 60 cette semaine n'a pas pesé très très haut. 2533 pièces d'or, pas beaucoup. J'ai vendu quand même une idole de renaissance apparemment, de Ankirage. On va juste voir le détail. Durant les 7 derniers jours, les 660. Top item. Là, j'ai vendu une idole à 300 gold. En fait, j'en ai vendu 3. Ok, il y a 6 jours, 22 heures. Donc, vendredi passé. Ok,
très bien. J'avais même pas fait gaffe. Des idoles. C'est parfait, j'en ai encore 15. Voilà, c'est typiquement le genre de petite connerie que je mets des fois à la tête des ventes et puis ça part. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. En tout cas, personnage de niveau 60. C'est fait. Peut-être que je devrais changer de perso ou pas. Si c'est maintenant, je vais sur les 670. Est-ce que il se met à jour? Ouais, ça se met à jour. Donc du coup, sur ce perso, c'est du négatif. C'est une valeur négative de 1365 gold. Voilà, j'ai acheté tout simplement des vies primordiales. Et rien de plus, rien de moins. Sinon pas grand chose à se mettre sous la dent, j'ai rien vendu de toute façon quoi qu'il arrive. Donc on va passer à un autre perso. Je vais quand même les connecter un à un parce que j'ai l'impression que la donne peut me donner des informations peut-être erronées ou des trucs comme ça. Donc j'ai pas forcément envie d'avoir de problèmes à ce niveau-là, de synchronisation de compte ou de données. Après de toute façon je ferai le calcul pour voir si la donne m'a dit juste par rapport aux 109 000 pièces d'or. Histoire d'être sûr et certain que ce n'est pas des cracks. Alors, dernier 7 jours pour l'Essi 80 qu'on vient de connecter, donc mon composant de niveau 80. J'ai aussi dépensé pour des vies primordiales, mais pour d'autres choses aussi, à côté. Valeur estimée, moins 10 455 gold. Ça, c'est tout simplement des choses que j'ai vues à l'hôtel des ventes qui étaient peu chères. On peut voir d'ailleurs dans les dépenses. Durant les 7 derniers jours. Les 680. Ouais, moins cher, c'était les vies primordiales à 166 gold. Des orbes chaos à 16, 17, 18 pièces d'or. À l'heure actuelle, d'ailleurs, les orbes de chaos, je les laisse pour vous, hein, je vais même pas les acheter, mais sur Ijal, par exemple, elles sont à 7 pièces d'or. À mes couturiers, normalement, ça vaut 40 gold chacune. Mais vu que c'est les donjons du Time Walking, donc les donjons temporels de Cataclysme, il faut pas hésiter à profiter du fait qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas du tout que les orbes de chaos, on peut en faire des fils rêves en couture. Donc checkez de temps en temps votre tête des ventes histoire de les acheter pour peut-être vous en servir directement pour vos métiers respectifs comme la couture ou bien la forge. J'ai acheté des ombres éternelles à 16 gold, des trucs cristallisés à 3 pièces d'or, etc. Tout ça je les assemble hein, pour faire 10. Les étoffes de tigivre à moins d'une pièce d'or à l'unité, des cuirs boréens. Enfin bref, pas mal d'achats. Mais pas de vente sur ce perso. Pas de vente. L'Essi 90, je crois qu'il est à 0. Depuis un petit moment déjà, en plus. On va voir ça tout de suite. Je profite pour boire un petit peu d'eau. Alors, Trade Master, 7 jours. Les 690, il est là. Il est à 5. J'ai juste vendu des brochettes de poulet aux cacahuètes. Je ne sais pas pourquoi j'ai vendu ça. Je ne sais même pas pourquoi je l'ai mis à l'hôtel des ventes. Donc voilà. Je vais compter 0 quand même, parce que je vais pas mettre 5 gold. Ça se fait pas. Donc 0 pour ce personnage. 0 aussi pour Légion. Je n'ai absolument rien vendu sur Légion.
pour ça que je le sais, parce que je n'ai pas farmé du Légion depuis un petit moment. On va passer à la Transmo. Histoire de voir ce que ça donne. Alors, 7 derniers jours. On avait dit Transmo. Hein. Ben, je me suis fait 70 000 pièces d'or. Cool. Content. 70 718 gold. L'objet le plus cher, c'était ce matin. La hallebarde fendeuse que j'ai farmé il y a très peu de temps. Hein, il n'y a même pas une semaine, hein, je crois. Dans un groupe de 5 joueurs. Ouais, je crois que c'était ça, c'était la semaine passée. Où on avait fait une petite session de farm. Donc plutôt cool, plutôt cool, plutôt cool. Ouais, juste voir s'il y a d'autres enchères qui se sont mis en avant. On a quand même pas mal d'objets. Hein. Bon, évidemment, ici, il y a des objets qui ne devraient même pas être listé, mais bon, ils sont passés entre les mailles du filet, ça arrive. Mais sinon, la hallebarde, il y a les chausses usées, troll, on a deux autres petits trucs. Ça m'étonne que ça fasse 70 000 pièces d'or, j'ai pas l'impression que ça fait autant si on additionne tout, non? Juste quand même contrôler histoire d'être sûr et certain. Parce que deux objets à 10 000 seulement. Deux, trois, deux, cinq, un, neuf, zéro, quatre, un, quatre, neuf, huit. Ou alors, il y a des objets qui ne sont pas affichés, peut-être. Dans la liste. Je pense que c'est ça. Hein. Salut Seb. Ouais, j'arrive pas du tout à ça. J'arrive à 51 000. Si je calcule vraiment le tout... Alors, est-ce que j'ai regardé le mauvais perso? Durant les derniers 7 jours. Les 6 transmo. Non, il me dit ça, il me dit bien 70 000. Je sais pas où est-ce qu'il va aller chercher, parce que moi, on additionnait tout ce qu'il me dit. Ça me donne 51 300. Je vais quand même noter ces 51 323. On sait jamais. Ça me paraît bizarre. Ou alors il manque des données. Peut-être d'une vente qui ne s'est pas enregistrée. Ou qui s'est enregistrée mais qui ne s'affiche pas. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Laissez gold, mon vendeur de plans jouets. Mon tueur. On va voir ce qu'il en est. Le total, il me dit quand même 109. Là, je suis sur Lessy Gold. Donc, a priori, j'aurais vendu pour 44 495 gold. Avec le top objet, un tome de la scellée de la Légion perdue. Ça me paraît juste.
Là, ça me paraît correct parce qu'il y a le pistolet rayon rouge que j'en ai vendu un. Et j'ai vendu un tome scellé. Donc les deux objets additionnés, ça fait presque 40 000. Enfin, ça fait 41 000 et quelques. Donc plus les petites bricoles, ça me paraît juste le 44 000. Mais je me demande si, si justement, il n'y a pas eu un problème. Genre, il y avait des fois hein, ce type d'erreur, un no item qui apparaît. Où la donne a perdu la trace. On n'arrive pas forcément à écrire le nom, des trucs comme ça. Donc je sais pas trop si c'était dans ce cas de figure ou pas. On a perdu presque 20 000 pièces d'or dans la nature comme ça. À voir. Je sais pas trop. Mais en tout cas pour ce marché là, donc du coup j'ai vendu un tome scellé et un gros pistolet. Cette semaine. Les pistolets que j'ai farmés il y a 3 semaines en arrière, normalement. On l'a farmé ensemble, il me semble, en plus. Heureux élu. Normalement, c'est réglé. Cool. Alors, les 7 derniers jours en mascotte. Là, les mascottes, ça ne fait que descendre, hein, j'ai l'impression. Hein. 1300 gold. C'était tout à l'heure, la mascotte que j'ai vendue. C'était Minitron. Et j'ai pas vendu de mascotte. Alors, c'est soit il y a énormément de compétitions. Et je les ai postées tout à l'heure. Hein. Donc, il y a moins d'une heure. Je vais juste voir s'il y a énormément de gens qui m'ont cuté. La goule, en tout cas, il y a des gens. Ouais, il va falloir que j'augmente ma fréquence de scan. Hein. Il va falloir vraiment que j'augmente ma fréquence de scan. Sur les 22 enchères, il y a en tout cas la moitié. Il y a la moitié en fait qui se font bouffer directement. Très important ça. Hein. Et pourtant j'ai mis mes enchères il y a moins d'une heure. Hein. Il y a des personnes qui sont un petit peu plus présents, hein, tout simplement. Alors je ne sais pas trop, hein, j'ai pas investigué qui ils sont, etc. Hein. Ça, il faudrait faire une recherche bien particulière pour se rendre compte si oui ou non ils campent, hein, pour répondre à ta question, élu. Ça, c'est à surveiller. Mais en tout cas, cette semaine-là, même si j'étais absent, etc., il y a une grosse baisse au niveau des mascottes. Il y a quand même une grosse baisse, surtout que j'ai pas vendu de goules besogneuses. Normalement, j'arrive à en vendre sans problème. Des goules. Bizarre. Très bizarre. Mais bon, bref, ça arrive. C'est comme ça, c'est le jeu hein, aussi. Les personnes qui ont le plus de temps de jeu sont avantagées par rapport aux autres. Je reviendrai après pour voir si je suis cote à nouveau ou pas. En cas d'action, qui sont les campeurs de l'hôtel des ventes pendant les vacances? Pendant les vacances, un certain nombre de joueurs s'amusent à être à l'hôtel des ventes. Avec la voix et tout, il faut donner l'intonation et tout pour que ça soit crédible. Nous avons infiltré un réseau en compagnie de Lessia, expert dans la matière. J'arrive pas à le faire. Bref. Quelles sont ces méthodes? Quels sont leurs secrets?
armure de Wood. C'était pas la joie non plus, Wood. Mais ça a tendance à la baisse aussi. Hein. Il y a des semaines comme ça un peu aléatoires où je n'ai rien vendu. 1200 gold. 1200 gold pour Wood. Ce qui nous fait un total du coup de soi-disant 109 500 gold. J'estime quand même que c'est relativement correct. Je pense hein, que c'est correct dans le sens où, pour les six transmo, la raison, à mon avis, c'est que l'objet n'a pas été bien répertorié ou des trucs comme ça. Donc je pense que la donne me dit juste quand même dans le résumé. Je pense. On passe au compte numéro 1. Le compte là où il y a généralement le plus de gold. Quoique, hein. Quoique, si on regarde la courbe de ces dernières semaines, il y a eu une semaine où c'était le compte numéro 2, parce que j'avais vendu énormément de transmo ici, à 158 000, qui était devant. Mais sinon, ça reste quand même le compte principal, ça reste quand même celui qui est un petit peu plus, un peu plus riche. Avec notamment la couture et la forge qui me rapportent toujours plus de 100 000 pièces d'or chaque semaine. Bon à le souligner. Hein. Très très bon à souligner. Du coup, cette semaine, il y a un nouvel arrivant. Rintae, mon tauren, druide. La raison est simple. C'est que tout simplement... ce petit Gugus, on a commencé les farms côté Horde en communauté. On a créé une communauté côté Horde. On organise des groupes de farms. C'est pas forcément évident parce que pas mal de gens ne sont peut-être pas forcément au courant encore. Mais on essaye de mettre en place des farms de 5 joueurs côté Horde. Donc du coup, n'hésitez pas à rejoindre la communauté. Histoire de pouvoir être informé des prochains farms. Demain, il y aura un farm côté Horde. Donc demain, samedi 13 avril, hein, dans le calendrier. Il y a très très peu d'inscrits pour l'instant. Il y a un inscrit, à part moi. Donc j'ai encore 3 places. Donc si ça vous dit, si ça vous botte, à farmer à 11h du matin, avec la commu, ben, n'hésitez pas. N'hésitez pas tout simplement à rejoindre la communauté puis à vous inscrire directement sur le calendrier. On a farmé l'île du tonnerre, c'était jeudi passé. Donc hier, en fait. Aussi, en parallèle. Puis on a vendu des feux primordiaux aussi, le 30 mars. Et je pense que cette semaine-ci, il me semble que j'ai vendu mes premiers feux. Je suis pas sûr, mais on va voir. Alors, je sais pas pourquoi je ne peux pas aller plus loin, mais Rintae, lui, tout seul, il a fait 1000 pièces d'or. Non, c'était pas ce. C'était la semaine passée. C'était pas cette semaine où j'ai vendu des feux. C'était dans le calcul de la semaine passée. Mais c'est pas grave. En tout cas, j'ai vendu tous mes feux. On a farmé le 30 mars. Je les ai vendus très très vite d'ailleurs. C'était juste ça pour... avertir, pour donner l'information. Mais en tout cas, 1000 pièces d'or sur ce perso. Donc pas grand chose. Pas grand chose. On va connecter le travailleur du cuir ou bien l'alchimiste. L'alchimiste ? Le petit panda reine. L'alchimiste, généralement, j'arrive pas à me faire énormément de sous. Et j'ai même pas vu combien de gold je me suis fait, en fait. Je réserve pour la fin même, c'est pas très grave. Salut Sonico.
Ça tombe bien, samedi tu bosses. Bah alors tu peux pas participer. C'est pas très gentil. C'est pas très gentil ça. On est sur quel perso là? Sur Loana. Hein. Les 7 derniers jours, 0. Ça me paraît bizarre que j'ai 0, hein, mais... Ou alors c'était la semaine dernière, c'était peut-être jeudi dernier, c'était peut-être ça. C'est possible. Que ce soit il y a eu une perte de données ou... Enfin, pendant mon séjour en Belgique. Ou alors, c'était tout simplement la semaine passée. C'est possible. Ouais, normalement, les WTF ont été... bien mis, mais... je sais pas, bizarre. Bizarre, bizarre. Ou alors, c'est peut-être vraiment une mauvaise semaine. Hein, ça se peut aussi, évidemment. Travailleur du cuir, là, je sais que j'ai 0. Ça, c'est certain. Je n'ai absolument rien vendu. Je mets 0, hein, parce que 100 gold... voilà. C'est pas franchement le... le mieux. Sur mon calligraphe, je pense pas avoir vendu quelque chose. De souvenir, en tout cas, comme ça. 100 gold, c'est important. C'est vrai. Très important, ouais. Weiser. Ça, je sais que j'ai vendu des encres. Oui, j'ai vendu des encres lume étoile. Elles apparaissent bien, donc c'est juste. C'est très très juste. J'ai vendu des encres lume étoile, du coup. Pour 10 000 pièces d'or, je crois les 20 ou un truc comme ça. Enfin, quelque chose comme ça. Je sais plus, c'était 20? Je sais plus. Weiser, il est où? Là. Non, j'en ai vendu plus que 20. 20, 30, 40. J'en ai vendu 40. À 212 pièces d'or à l'unité. Ça vaut cher cette merde. Ça vaut super cher. Les encres lume étoile. Du coup. Il nous reste 3 persos à visiter, la forge, la couture et l'enchantement. Et la joie. Enchantement, joie, c'est le même perso. Hein. Donc on commence par la forge. Encore une fois, je ne sais pas combien de gold je me suis fait durant la semaine sur le compte numéro 1. J'ai fait exprès de ne pas montrer. Pour l'instant, le compte numéro 1... maintenant 11 000 gold, mais ce sont les pires boîtes aux lettres, de toute façon, quoi qu'il arrive, chaque semaine. On sait que la forge, déjà, aujourd'hui, elle a pesé quasiment 70 000 pièces d'or, donc... donc on sait déjà qu'on va s'avoisiner, on va avoisiner les 100 000. Mais je ne sais pas, je n'ai plus souvenir d'avoir... vendu des grosses choses, en fait. Courant de la semaine. On a pour 121 000. On a pour 121 000 quand même. Donc on garde quand même cette tradition du 100 000 pièces d'or fait avec la forge. Plutôt bien, plutôt cool. On va un petit peu décortiquer ce qui a été vendu.
pas beaucoup d'objets, hein, que 4 objets. Les autres, ce sont des silex et des marteaux de forgeron. Je ne relèverai même pas. Mais on a des bottes de soulèvement que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça, je crois. Hein, quand même. Je sais plus. Je vois pas la donnée en fait. Je vois pas la donnée de quand est-ce que. De quand est-ce que je l'ai fait. En tout cas, j'en ai vendu. Donc une paire de bottes à 50 000. Un corselet léger en alimentium. Très bien. De 85. Donc fait avec du vrai or. Ça, on n'a pas fait il y a très longtemps. Hein. C'était il y a quoi? Il y a 2 semaines, 3 semaines. De mémoire, on a fait des armures. Des armures de cataclysme. Donc le torse à 33 000 et puis la ceinture à 19 000. Une autre ceinture ici, mais de Wotelka cette fois-ci. Un peu bleu comme ça. Un plaid de glace. À 18 000. Alors que ça coûtait rien du tout, ça coûtait même pas 1000 gold à l'affaire. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc la forge. Un de mes plus gros revenus par semaine. Ça garde quand même la tradition. Généralement la couture aussi. On est à plus de 100 000 pièces d'or chaque semaine. Je dis bien généralement. On va voir cette semaine ce que ça donne. En le connectant, évidemment. Bonjour Baldric. Il me reste 2 joueurs à visiter, 2 persos. Alors, Purity. C'est 7 derniers jours. Ah, 30 000 pièces d'or. Une petite baisse. À mon avis, j'ai été mangé par mes concurrents durant ma période d'absence. Ceci dit, en forge aussi, hein, mais j'étais peut-être là au bon moment. Alors que la couture pas. On va décortiquer quand même ces 36 000 pièces d'or. J'ai juste vendu une ceinture à 16 000. Une robe ici à 7 000. Et tout le reste... C'était bof. C'était vraiment bof. Un tissor éventuellement à 800 et quelques là. Le tissor ça m'a coûté grosso modo 100 pièces d'or. Enfin 155. Le voile lunaire ici j'ai vendu à 300. Ça m'a juste coûté 144 gold. Donc pas beaucoup. Ok. J'ai pas vendu de sac en plus. Je n'ai pas de fait de restock en plus. On n'a pas fait de restock. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de restock. Ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de restock. Donc ça explique aussi peut-être la baisse de pièces d'or durant la semaine passée, puis cette semaine aussi. Mais on fera mieux. On fera mieux durant les prochains jours. On va s'améliorer. Il n'y a pas de raison, hein, de toute façon. On va connecter l'enchanteur et le vendeur de gemmes. Donc à mon avis, j'aurais même pas 300 000 pièces d'or cette semaine. Pour l'instant, j'en suis à 270. C'est pas dégueu, hein, ceci dit. Hein. C'est 2 jetons quand même durant la semaine. Sachant que j'étais absent pendant 5 jours, donc en tout. D
18 000 pièces d'or. Ici, 18 314 gold. Le chapeau de Nat dépense. Comment ça, dépense? Ah, parce que je l'ai racheté. Je l'ai racheté au PNJ. D'accord. Je l'ai racheté au PNJ, en fait, parce que j'avais vendu par Mediard, je crois. Voilà. Il me l'a quand même enregistré. Quel troll. Quel troll. Alors, qu'est-ce que j'ai vendu ici? Je pense des composants qui me restaient à côté, non? Ça ne m'étonnerait pas. J'ai quand même vendu un enchantement d'armes deux mains, polyvalence inférieure. C'est un enchantement classique, donc de Wovania, qui ne coûte rien, qui coûte 3 poudres d'illusion légère, une essence éternelle inférieure. Voilà, je l'ai vendu à 6000 pièces d'or alors que ça coûte même pas 20 gold. J'ai vendu mon premier diamant flambe ciel. Le premier à 3700 gold. Bien. Je ne sais plus depuis quand je l'ai crafté. Je pense bien un mois. C'est de Waterelka, la métagemme de Waterelka. Ouais, exactement. Une métagemme de Waterelka vendue à 3000 et quelques gold. Mais je l'avais fabriqué il y a plus d'un mois. Elle vient seulement de se vendre maintenant. Mais c'est pas mal. Ça m'a coûté rien à faire, hein. Enfin concrètement. Hein. 60 pièces d'or uniquement, c'est pas énorme. Je continue à vendre des gemmes. Là il y en a deux qui sont partis à 845 pièces d'or à l'unité, donc des gemmes de Burning Crusade. Voilà. Et sinon, le reste, ce sont des petites compos un peu par-ci par-là que je farm en expédition ou quoi. Rien de bien folichon, mais pas mal. Pas mal quand même, le diamant et puis l'enchantement demain. Qui me carie un petit peu là. Le métier. Du coup, si on regarde le dashboard, durant les 7 derniers jours, tous les personnages. Ouais, ça bug. Hein. Je suis obligé de reload. Vu que j'ai sorti les statistiques durant les 7 derniers jours pour Lesia, du coup. La donne ne fait pas la mise à jour directement. C'est un peu dommage, ça, je trouve. Bon, du coup, est-ce qu'on arrive quand même à plus de 300 000 ou pas? Au total, je pense pas. Je pense qu'on est juste à la limite. Ah, il me dit quand même 190 000 pièces d'or. Ok. 190 000 sur ce compte. Si j'additionne, alors c'est drôle, on était à 109 500 sur le compte numéro 2. Sur le compte numéro 1, on est à 190 558. On arrive tout juste à 300 058 pièces d'or. Donc on a quand même nos 300 000. On a quand même nos 300 000 tout juste, tout rond. Pour cette semaine. À 58 pièces d'or près. C'est pas mal. Sachant, encore une fois, que j'étais absent. J'étais absent pendant 5 des 7 derniers jours de cette semaine hein, qui vient de s'écouler. Je n'ai même pas eu le temps de farmer quoi que ce soit. Je n'ai pas du tout pu poster et reposter, donc retirer mes enchères pour les reposter, etc.
Ça, c'est quelque chose évidemment qui nous repositionne bien comme il faut à l'hôtel des ventes, hein, et c'est important de le faire. Malheureusement, ben, je n'ai pas eu du tout le temps, vu que j'étais occupé à faire autre chose. La semaine passée, j'étais à combien? 347 000? Ouais, c'est juste 50 000 de moins, hein. C'est pas non plus affreux. On va rester positif. On va rester positif. On va se dire qu'on va faire mieux la fois prochaine, donc vendredi prochain. Et puis on essaiera de faire péter le compteur et de revenir à des hauteurs un tout petit peu plus acceptables, comme 600 000 pièces d'or par exemple. 500, 600 000 pièces d'or, c'est ma moyenne, hein, grosso modo. Donc c'est cool. Ça nous fait quand même un total de 358. Si on divise ça par 7, ça fait quand même une moyenne de 42 000 pièces d'or par jour. Ça reste quand même assez, assez bon. Surtout que je n'ai pas joué. Donc du coup, doublement content. Doublement content. Je vais arrêter la vidéo sur YouTube ici. Je reste évidemment sur Twitch. C'est histoire de mettre une fin pour ceux qui regardent en différé. Donc je vous donne rendez-vous du coup le vendredi prochain. Ok. Pour une nouvelle vidéo. Ça sera peut-être samedi, hein, d'ailleurs. Le temps de encoder tout ça, etc. Enfin bref. Tous les tralala de YouTube. Et puis ouais, bah, d'ici là, bah, farmez bien. Amusez-vous bien, c'est le plus important. Et surtout, n'hésitez pas à nous mettre dans les petits commentaires combien vous aussi vous faites pendant une semaine. Est-ce que vous faites pour avoir des pièces d'or? Ça nous intéresse toujours et puis c'est toujours chouette de partager. Des gros bisous YouTube, on vous embrasse, à tout bientôt.